Alors, les 60 ans de Jonas. Alors, les 60 ans de Jonas, moi, ça fait peut-être pas 60 ans que je connais Jonas, mais ça fait très longtemps. Parce que mes enfants ont une quarantaine d'années, et je venais acheter des livres pour eux quand ils avaient 5-6 ans. Et j'ai tout de suite bien aimé parce qu'il y avait Sabine qui était pour les conseils, pour les livres d'enfants, était extraordinaire. Mais j'ai aussi eu le privilège de connaître Jonas. Vrai Jonas. Jonas, c'est-à-dire monsieur. Monsieur, c'est monsieur. Pour moi, c'est monsieur Sabine parce que j'ai beaucoup mieux connu Sabine. Et très vite, je me suis pris d'affection pour cette librairie. Je suis venue aux réunions, aux rencontres avec les auteurs. Ça, j'ai bien apprécié. Ça m'a permis de découvrir beaucoup d'auteurs. Et je dois dire que c'était suivi par une sangria très sympathique qui donnait beaucoup de convivialité. Ça, c'est les premières années parce qu'après, j'ai été impliquée puisque non seulement je faisais partie de l'association des amis de la baleine blanche, je crois que ça s'appelle comme ça, mais en plus j'ai contribué à la Gazette du 13e avec Sabine et bien d'autres personnes avec qui on écrivait, et les réunions dans un premier temps avaient lieu ici, ici d'ailleurs, dans cet endroit. Après, nous avons décidé que ça serait dans d'autres lieux, et c'était toujours l'occasion d'ailleurs de rencontres très instructives et aussi très conviviales. Que dire encore de la librairie? Les confettis dans les cheveux, c'est pour fêter les 60 ans de la librairie? Alors les confettis, c'est que j'ai été à la manifestation de soutien pour la bibliothèque Marguerite Durand. Qui est? Qui est la bibliothèque féministe, qui porte le nom d'une féministe, Marguerite Durand, qui a vécu, alors là, la date, je pense que c'est au 19e siècle, mais qui a surtout, dans une époque où les femmes n'étaient pas tellement présente, on va dire, non seulement à travailler beaucoup pour les femmes, mais aussi à créer un journal, un quotidien qui s'appelait La Fronde, ce qui était quand même dans ce contexte, moi je trouve assez remarquable. Et il se trouve qu'en plus, ma vie antérieure, j'étais documentaliste et j'ai été amenée à travailler dans la bibliothèque Marguerite Durand quand elle était dans le 5e, et j'y ai travaillé avec beaucoup de plaisir. Non seulement c'est un lieu accueillant, mais très riche. Et pourquoi il faut une manif pour la bibliothèque? Alors voilà, donc je vais y venir parce que je suis très mécontente de ce qui se passe. Anne Hidalgo, la mairie de Paris, ont décidé à l'occasion des travaux, j'ai oublié de dire que la bibliothèque Marguerite Durand est hébergée à la médiathèque Jean-Pierre Belleville. Mmh. Des travaux sont prévus d'ailleurs sur une longue durée, et à cette occasion, il y a un projet donc de relocalisation, comme ils disent, de la bibliothèque Marguerite Durand. On a proposé de l'installer à la bibliothèque historique de la ville de Paris, la BHVP. C'est un lieu très prestigieux, mais ça ne suffit pas, parce que c'est au prix de la dispersion des collections. C'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que le féminisme s'étant très développé en ce moment notamment, les collections augmentent très vite et on ne sait plus où les mettre. Donc il y a une réserve à Angers, mais ça fait loin, et sinon ça serait dispersé en banlieue comme dans d'autres endroits. Ça, c'est une chose, et l'autre chose, c'est que le personnel de bibliothèque serait dispersé dans l'équipe de la BHVP. Et ça, c'est la fin de la spécificité des fonds féminins. Et je me suis un peu intéressée à la composition de ce fonds. C'est remarquable. Il y a à la fois il y a des écrits, il y a des archives très anciennes, il y a vraiment des documents inédits, il y a une richesse exceptionnelle. Il me semble, pour en avoir parlé avec des personnes de la municipalité, que l'intérêt de cette bibliothèque n'est pas très, très comment, partagé par tout le monde. Et que les gens confondent une bibliothèque de prêt et une bibliothèque de recherche. Une bibliothèque de recherche, c'est pas du grand monde. Il y a des manifestations qui sont plus discrètes, quelquefois plus pointues. Mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant d'avoir une bibliothèque comme ça chez nous. Et je fais partie d'une association qui s'appelle l'ADA 13. Et comme en même temps, il y a un projet qui menace l'Institut Eastman, l'Institut dentaire, qui est aussi un autre joyau, j'allais dire, du 13e arrondissement, nous avons proposé de loger la bibliothèque Marguerite Durand dans l'Institut Eastman, qui est très grand. Ce serait trop grand d'ailleurs peut-être pour la bibliothèque, mais ça pourrait se raccrocher à l'idée que j'ai entendue tout à l'heure de faire une maison
du féminisme, il y aurait à la fois fond de bibliothèque, mais aussi des animations, des rencontres, des salles de travail. Et donc je trouve ça très... Je suis tout à fait pour défendre cette idée.